Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Actu Sport dans 100% handball. Il est l'heure, c'est 12h30 et on va commencer par la pré-nationale masculine du Gard handball à Ramon Rochefort du Gard qui recevait Saint-Afrique, match retransmis sur les antennes de Total Sport. Une victoire 38-25 des Aramonais en fureur. Bien évidemment, tout au long de la rencontre, ils ont mené cette partie d'une main de maître. En championnat de National 1, Bagnoles est allé s'imposer face au Dauphin Chambéry sur le score de 41-36. Toujours dans le championnat de N1, eh bien, l'USAM est allé s'incliner 35-31 à Montpellier lors du derby entre le MHB et l'USAM. En Star League, l'USAM s'est incliné face à Aix-en-Provence sur le score de 33-31 au Parnasse de la ville de Nîmes. Malheureusement, les hommes de Lubovranjes s'inclinent eh bien, face à un concurrent direct à la Coupe d'Europe. La saison prochaine, l'USAM est 9e au classement à 2 points de la 4e place et bien évidemment eh bien, de cette place fameuse qualificative en Coupe d'Europe. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique Actu Sport spéciale 100% handball. On se retrouve eh bien, demain pour une chronique. Cette fois-ci, on parlera rugby. Avec la déception du RCN, eh bien on en parle demain. Merci et bonne journée sur Radio RG30.